sponsorisé par Shadows. Rendez-vous en fin de vidéo pour plus d'informations. Bonne séance. Bah, au moins on a essayé à notre niveau de faire le tour du sujet, je sais pas, c'est bien, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ah bon? Alors attends, laisse-moi vérifier... Ah oui, effectivement. Bon. T'as ramené tes pinceaux? Le 16 mai 2002 sortait dans les salles un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Star Wars, épisode 2, l'attaque des clones. Non, là je vais même pas relever. Mais si ce film a marqué son époque, ce n'est pas seulement pour ses effets spéciaux intemporels, ses acteurs charismatiques, ni pour son histoire d'amour bouleversante. Mais bien parce qu'il est le tout premier film d'envergure de l'histoire du cinéma tourné intégralement en numérique, juste derrière le Vidocq de Pitoff, sorti tout de même un an plus tôt, mais faisant forcément pâle figure à côté du film de George Lucas, de très loin le meilleur film de la saga, qui révolutionna à jamais... Ta gueule. Voilà. Ta gueule. Mais alors, qu'est-ce qu'un film tourné entièrement en numérique, me demanderez-vous? Eh bien, c'est tout simplement un film tourné à l'aide d'une caméra numérique que l'on pourrait décrire comme un ordinateur pourvu d'un objectif qui capture des images. Alors que son aîné, la caméra argentique donc, s'apparente, elle, à un appareil photo classique qui prendrait plusieurs dizaines de clichés à la seconde pour simuler le mouvement sur pellicule. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous renvoie à l'excellente vidéo de la chaîne Cinéma, Pellicule vs Numérique. Un excellent complément qui vous aidera sans doute à mieux cerner le sujet qui nous intéressera aujourd'hui. C'est ma vidéo. Super. Si en 2021, tourner un film en numérique sonne comme une évidence, ça ne l'était absolument pas en 2002, où l'image numérique n'était alors associée qu'au caméscope CCD. Démocratisé au milieu des années 80 par Sony à destination du grand public, pour filmer l'anniversaire du petit Jimmy ou autre barbecue en famille. Le tout pour un rendu objectivement dégueulasse, que certains n'hésiteront pas à qualifier d'anti-cinématographique. Mais que certains cinéastes se sont brillamment appropriés, pour ne citer que Danny Boyle et ses 28 jours plus tard, ou encore le Danois Thomas Vinterberg, qui fit sensation en 98 avec Festen, film phare du dogme 95, que je vous somme de regarder aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, là, maintenant. Mais alors du coup, quel avantage à tourner en numérique plutôt qu'en pellicule? Eh bien parce que c'est moins cher, pardi. Carrément. Carrément moins cher. Car tourner en pellicule, c'est recharger la bobine, encore et encore, toutes les 10 minutes à peu près. Ce qui ralentit considérablement le rythme du tournage, sans compter le fait qu'on ne peut pas voir les rushs sur le moment. Il faut envoyer les bobines dans un laboratoire pour qu'elles soient traitées pendant la nuit, et c'est seulement le lendemain matin que le réalisateur et son équipe peuvent voir ce qu'ils ont tourné la veille. Donc si on est en 1971, qu'on tourne un film dans le désert qui s'appelle Duel, hein, par exemple, et qu'on se voit bien en évidence dans un reflet de vitre lors du visionnage des rushs...
Bah, on sait qu'on est baisé, parce qu'on ne peut pas l'effacer en post-prod, et encore moins retourner la séquence une seconde fois. Oups. Pour vous donner un autre exemple sans doute plus parlant de la supériorité du numérique sur l'argentique, lorsque Danny Boyle tourne cette séquence de 28 jours plus tard, on se dit que c'est quand même fou de pouvoir fermer une ville tout entière juste pour tourner un film. Sauf que finalement, Danny et son équipe ont juste eu à se poster à plusieurs endroits avec des caméras légères et faciles d'utilisation pour fermer la rue très tôt le matin, ne serait-ce que quelques minutes, le temps de pouvoir tourner ses prises. En revanche, lorsque je vois la séquence d'ouverture de Vanilla Sky de Cameron Crowe sortie un an plus tôt, là, je n'ose même pas imaginer le bordel. Et du coup, le numérique, ça permet aussi de bosser différemment avec les comédiens. Plus dans la longueur, en laissant tourner les caméras plus longtemps. Donc, en chopant des trucs dans les performances qu'on n'aurait pas forcément eu autrement. Typiquement, la direction d'acteur de Xavier Dolan, c'est exactement ça. Et c'est généralement plus confortable aussi pour les comédiens. Plutôt que d'être lâché devant une caméra où t'as 10 secondes pour assurer, où chaque petite erreur va te coûter une blinde, ce qui n'est pas exactement idéal pour le moral ni pour la confiance en soi. En gros, sur pellicule, qu'une prise soit bonne ou mauvaise, elle coûte cher. Très cher. Une fois la caméra en route, chaque seconde est précieuse. On sait tous que le temps, c'est de l'argent. Mais cette maxime n'a peut-être jamais été aussi vraie que sur un set de tournage. Bon, allez, moteur, putain de merde! Il n'en fallait donc pas plus à ce bon vieux George pour qu'il demande à Sony de lui confectionner une caméra numérique à l'image suffisamment bonne pour prétendre à être projeté dans une salle de cinéma. Histoire d'augmenter le confort de tournage et d'épargner un peu le portefeuille de ce pauvre Lucas qui a bien du mal à financer ses petits films indépendants. Eh, franchement, elle est pas belle, la vie? C'est formidable. Mais le tout Hollywood, lui, ne l'entendait pas de cette oreille, n'hésitant pas à qualifier George Lucas de traître à cette noble institution qu'est le cinématographe, lorsqu'il délaisse la pellicule au profit d'une image trop lisse, trop nette, aux couleurs flashy, et en usant d'un argument que j'ai moi-même tendance à utiliser ça et là. Depuis quand on fait des films pour économiser de l'argent, bordel de merde? Mais souvent c'est plutôt le contraire, t'économises du fric pour faire des films. Toutefois, certains cinéastes comme Robert Rodriguez, qui faisant fi du qu'en dira-t-on, n'auront pas peur de suivre l'exemple de Lucas en utilisant de nouvelles caméras numériques HD pour pousser toujours plus loin leurs ambitions. Et quelles ambitions? Hell of a way to end a partnership. Aim careful and look the devil in the eye. Sin City would not exist if I had shot that on film. I wouldn't have even thought to do it. Tu m'étonnes. Et ce n'est pas Michael Mann, un des plus grands techniciens de l'histoire du cinéma, qui aurait soutenu le contraire lorsqu'en 2004, il tourne un des meilleurs thrillers que j'ai jamais vu. Puisqu'à l'époque, il n'y avait vraisemblablement que la Thomson Viper HD qui pouvait lui permettre de filmer avec une telle précision les rues de Los Angeles la nuit. En basse lumière. Encore des images qui n'auraient jamais pu être couchées sur pellicule. En basse lumière, oui. Et quelles images? Comment faire moins académique tout en rappelant qui c'est le patron? Regardez-moi ça, pas un seul plan qui ne soit pas parfait. Je n'avais jamais vu une grande ville filmée de cette manière. The Viper was the first camera that really told me that the digital age was ratcheting up in intensity. And I could see the foot race in cameras coming. Oh ça oui, puisque l'enjeu du numérique qui évoluait alors de manière exponentielle était de rattraper la qualité de rendu sur pellicule pour enfin la remplacer définitivement. Pendant que les institutions ricanaient sous cap en se moquant des caméras numériques qu'elles considéraient comme le nouveau jouet des vendeurs de pop-corn hollywoodiens, jusqu'à ce que Danny fasse encore des siennes. Et là... C'est donc le 7 novembre 2008 que sortait dans les salles le premier long métrage tourné en numérique qui fut récompensé de l'Oscar du meilleur film. And the Oscar goes to Anthony Dodd Mantle for Slumdog Millionaire. Did that film make digital acceptable in the mainstream?
success of Slumdog with the critics and with the audience symbolizes something clinical, perhaps puts Hammer's stake a little bit further into the ground as far as acceptance of digital formats. Accepté, adoubé, favorisé par tous les meilleurs techniciens du métier. Qu'est-ce qu'on attend alors? Let's dance. Ah ben, avec plaisir. Ça réveille. Bon, alors pour ce qui est des caméras, numériques ou argentiques, une seule question importe vraiment. Est-ce que le rendu est fondamentalement différent une fois le film projeté? Eh bien... Bah ça dépend. Bien sûr que ça dépend. Car même si ces deux technologies produisent des images sensiblement différentes, seule importe la vision du réalisateur, du directeur de la photographie, du traitement de l'image sur le plateau et en post-production, et surtout de la sacro-sainte direction artistique. On y revient. Toujours. En gros, la caméra n'est qu'un outil, peu importe celle qu'on utilise, car les images numériques n'ont pas à rougir devant le rendu argentique tant que l'on conserve via le traitement de l'image un rendu cinématographique. Après, ce qui est un rendu cinématographique... Putain, va falloir un troisième volet avec toutes ces conneries. Donc, non, le cinéma n'est pas mort, les films sont toujours plus faciles et toujours plus rapides à produire, les images sont toujours plus belles, toujours plus nettes, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, tout va bien dans le meilleur des mondes, évidemment que non, sinon la vidéo serait déjà finie. Et c'est ainsi que moi-même, votre serviteur, ainsi que ce cher François Torel, sommes de retour pour nous lamenter du temps qui passe, tels les deux vieux du Muppet Show, pour ronchonner que les films sont de plus en plus moches, plus en plus lisses, ma bonne dame, c'était mieux avant. Il n'y a plus de saison, toi-même tu sais. Car la flexibilité qu'offre le numérique nous a plongé dans une ère qui favorise la retouche d'images à tout crin. Pour le meilleur, comme pour le Hobbit. Donc avant de pleurer la mort de l'argentique... Argentique qui n'est d'ailleurs pas du tout mort. D'ailleurs je rappelle aussi que le support de conservation des films aujourd'hui, ça reste argentique. Je me demande si nous ne serions pas davantage assujettis au mauvais goût de certains films, hein, tout simplement. Et même si ce qu'on appelle le mauvais goût, ben c'est subjectif. Subjectif? Subjectif, oui. J'ai entendu parler de cette théorie. Bref, quelles que soient nos préférences, nos critères, nos goûts, nous aspirons tous à donner de la personnalité à nos images, à leur donner un cachet, un look, reconnaissable ou pas. Enfin, je sais pas, regardez autour de vous. C'est quand la dernière fois que vous avez pris une photo avec autre chose qu'un smartphone? Pour les moins de 30 ans, est-ce que vous avez déjà rembobiné une cassette une fois dans votre vie? Même le mot rembobiner aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Pourtant, on passe notre temps à poser des filtres sur nos images. Pourquoi plus de la moitié des contenus audiovisuels qui nous entourent ne font qu'exploiter une esthétique d'un autre temps, quitte à carrément reproduire des défauts techniques, de la saleté d'une vieille pellicule usée, aux aberrations chromatiques en passant par le bruit d'une vieille VHS. Outre la nostalgie, vous ne pensez pas qu'il y a autre chose qui se joue? Est-ce que plus de pixels, plus de couleurs, plus de frames, plus d'images à la seconde, bref, est-ce qu'une image plus nette, plus réaliste, c'est une image fondamentalement meilleure? On est en droit de se poser la question. À moins bien sûr que ton ambition en tant que cinéaste, c'est de faire en sorte que ton film ressemble à un fond d'écran Apple, à ce moment-là je pense qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Mais, en tout cas, moi je me la pose. Parce que moi, voyez-vous, j'ai l'estomac solide, et si je me suis vomi dessus en regardant le Gemini Man de Ang Lee sorti en 2019, c'est qu'il y a sans doute une raison. Ouais, bon, t'es dur. Enfin, franchement, regarde Un jour dans la vie de Billy Lynn, même réalisateur, 3 ans plus tôt, et c'est la même chose. Numérique, 3D, grosse cadence d'image. Sauf que c'est pas un gadget. Là, il y a une vraie proposition. Je vais finir mon intro quand même, hein. PS, ne l'écoutez pas. Le 48 images secondes, c'est dégueulasse. Genre vraiment. Mais bon, après, ça reste... Subjectif. Bref. Les sempiternelles guerres de chapelle entre les classiques et les modernes. Comme si c'était le moteur de l'histoire de l'art, en fait. Ces standards audiovisuels, propres à chaque époque, que l'on se plaît à revisiter. Au prétexte de parodies, de pastiches, d'hommages, de clins d'œil. Qu'est-ce qu'on y cherche au fond? Qu'est-ce qu'on a tant peur de perdre? Même cette fascination que l'on a pour les imperfections techniques, le grésillement d'un vinyle, d'une bobine cramée, ou même les problèmes d'encodage d'un MP4. Pas besoin d'être pris au second degré, ça nous éclate, vraiment.
surtout quand c'est pas fait exprès, quand c'est authentique. Quand on se souvient qu'il y a bien une machine pour faire tourner tout ça, c'est là que ça en devient magique. Même si on nous dit et répète que c'est tendance juste parce que la mode est cyclique, que c'est la culture doudou, que ça n'a de valeur qu'à travers l'imaginaire collectif de telle ou telle génération, qu'on aime ça parce que ça nous rappelle notre enfance, tout ça. Mais non, putain, on a besoin de voir, de ressentir le prisme à travers lequel on capture les images. C'est ça aussi la beauté formelle d'un film. Je n'aime pas une photo juste pour ce qu'il y a d'imprimé dessus. J'aime la photo en tant qu'objet, moi. Le cinéma, c'est pas juste une histoire, des acteurs, des dialogues, de la musique. C'est aussi de la texture. Je ne veux pas d'une image parfaite. Je ne sais pas ce que c'est qu'une image parfaite et je veux pas le savoir. J'aime lorsqu'elle est parfaitement imparfaite. Et j'ai comme l'impression que je ne suis pas tout seul dans ce cas. Sinon, on ne serait pas tous en train de se monomaniaquer sur des filtres Super 8. Comme si notre génération tenait en équilibre entre deux visions de ce que devrait être une image de cinéma. Deux époques. Deux manières de sublimer ce que l'on voit. De plonger dans l'écran. Les cinéastes ne devraient pas céder à la tendance de la beauté limpide des plans. Car la beauté limpide des plans, c'est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition des outils de captation si performants que n'importe qui est capable de produire des images d'une netteté absolue, en haute définition. Plus besoin d'avoir le moindre talent pour capter des images d'une grande beauté. Le cinéma pourrait et devrait s'imposer comme étant le lieu où l'on ne fait pas de la beauté nette, puisqu'on en fait partout ailleurs. There is something about the texture and the grain structure of film that I've personally I hold on to, and it's like a comforting thing to me. Bon, du coup, on commence par quoi pour se rassurer? Parce que, tu vois, si on considère qu'un directeur de la photographie doit avoir des compétences en la couleur. La couleur, sans déconner, on commence par la couleur. Ok. Alors, la couleur. La couleur, donc. Si la couleur. La couleur. Ouais, donc si... Putain, j'adore la couleur. J'adore la couleur, putain. D'accord. Est-ce que vous avez vu X-Men de Bryan Singer, sorti en 2000? Premier épisode d'une saga d'adaptation de comics américains qui perdurera jusqu'en 2019 avec le dernier opus en date, Dark Phoenix, et qui ne semble toujours pas s'essouffler au bout de 20 ans et d'une dizaine de films. Oui, non, enfin, t'as vu la gueule des derniers? Ouais, faut qu'on parle. Ouais, ça c'est ma réplique, hein. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que l'évolution de ces films en termes de direction artistique semble être un excellent indicateur des tendances du marché hollywoodien, surtout lorsqu'on parle de couleurs. Si en 2000, les protagonistes arboraient fièrement des uniformes noirs, dont la sobriété semblait mieux collée aux standards esthétiques du cinéma d'alors, au point même d'y faire référence au détour d'une vanne. Un trait d'esprit qui semble avoir été placé là, non seulement pour faire un petit clin d'œil complice aux fans du comics, mais aussi et surtout pour marquer la différence de traitement entre une bande dessinée pulp et colorée et un blockbuster plus sombre et terre-à-terre. Différence de traitement qui s'estompera de plus en plus au fil des années, jusqu'en 2011, où les mutants de la First Class se décident enfin à ressortir les costumes jaunes de leur placard, et dont le tout dernier plan du film semble clairement nous dire « C'est bon les mecs, on n'a plus peur du kitsch. Plus du tout. Du tout. Du tout. Attention, les images que vous allez voir peuvent altérer votre vue et provoquer des vomissements. Je vais vous chanter la chanson des licornes, parce que tout le monde aime les licornes, à part les putains de meurtriers. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, le kitsch. Ce kitsch dont on ne sait plus quoi faire. Un kitsch de plus en plus difficile à remettre en question sous peine de se faire lyncher. Lorsque le cinéma de divertissement ne fait que tendre toujours plus vers cette contre-culture geek issue du comics, du pop art, du jeu vidéo, et de cette esthétique consumériste qui a été conçue pour hypnotiser les enfants avec des enseignes colorées. Et évidemment, les X-Men n'ont pas été les seuls à prendre le virage du pulp décomplexé. Ça va? Vous voulez des gouttes pour les yeux ou... Ah bah oui, là on la sent l'identité visuelle là, hein. Ça marque, c'est bling bling, ça pète, ça flash, Shevard. Tu
tu vas chier des arcs-en-ciel, mon gars. Déjà 15 ans avant que le trois quarts des streamers et autres youtubeurs ne décident que leurs univers ne seraient composés que de rose et de bleu, on commençait déjà à voir la culture pop au sens large basculer du côté de la frénésie des néons. Alors, ok, on sait d'où viennent ces tendances. Tiraillé entre le second degré, l'hommage, l'exercice de style et tout ce que vous voudrez. Nous, on adore revisiter ces univers bariolés. Parce que nous, les geeks, les vrais cinéphiles, on a trop de culture. Et surtout, on est beaucoup trop cool pour avoir peur du ridicule. Comme une injonction à trouver ça cool. Alors ça va, les blockbusters sombres en nuances de gris qui se l'ajoutent trop dark, ça va bien 5 minutes. Nous, on est pop, et on le reste. Comme si le summum de la hype était de se complaire dans un kitsch suranné qui a conscience de lui-même. Du kitsch qui se veut référencé et second degré, mais qui n'en reste pas moins kitsch au sens premier du terme, comme une bonne excuse pour scléroser dans le mauvais goût le plus total tout en restant cool et branché. De partout, on se tape cette esthétique de choupa choups qui colle aux dents, en bombardant le premier clip de hip-hop jusqu'au dernier blockbuster pour ado, d'un bon milliard de couleurs pétantes dans chaque plan. Alors après, je sais pas. Peut-être qu'on essaye simplement de renouer avec les essais expérimentaux et psychédéliques propres aux années 60-70. L'enfer de Clouseau. À ce compte-là, pourquoi pas. Sauf que si on gratte un peu, on se rend compte que la façon dont sont utilisées les couleurs dans les grosses productions d'aujourd'hui relève davantage d'un cahier des charges que d'un réel parti pris esthétique. Quelle surprise! Rien qu'en ce qui concerne le cinéma, il s'est opéré une tendance depuis le début des années 2000 qu'on peut relever rien qu'en observant les affiches. Et comme une image vaut mieux qu'un long discours, je vais vous montrer un éventail de posters de films récents pour voir si vous aussi, vous décelez le problème. Voilà, Je comprends pas. Je n'ai pas compris à partir de quand il était impossible de plonger l'image dans un crépuscule aux teintes bleues électriques sans y coller un contraste jaune dégueulasse. François, rends-toi utile s'il te plaît, aide-moi, j'ai mal aux yeux. Alors ça c'est ce qu'on appelle le look teal and orange. Bleu et orange quoi. Pour faire simple, si on prend la roue chromatique, qui montre les déclinaisons de couleurs, si on prend les couleurs à l'opposé l'une de l'autre, sur cette roue, eh ben, elles fournissent le contraste le plus saisissant pour l'œil, et souvent le plus satisfaisant. C'est pour ça, par exemple, que le Joker contrebalance son univers très verdâtre avec des teintes rouges. Exactement comme le nez et les cheveux du clown. Parce que les clowns, bah, c'était les personnages qu'il fallait repérer le plus directement de loin dans les cirques. Donc ceux qui offrent le contraste visuel le plus frappant. Enfin voilà, ça tape directement dans la rétine. Et un des avantages du teal and orange, c'est que ça fait directement bien ressortir les peaux. Du coup, ça met en évidence les personnages avec des teintes qui sont plutôt chaleureuses, agréables. Et quand l'étalonnage numérique est arrivé au début des années 2000, il a donné beaucoup plus de liberté en post-production. Et du coup, le look teal and orange s'est propagé comme une maladie vénérienne. Ah oui, va falloir songer au vaccin maintenant. Hein. C'est marrant parce que même Edgar Wright s'en moque en Scott Pilgrim, avec les fausses affiches du film d'action du personnage de Chris Evans. Ou comme lorsque notre Martin Scorsese décide de noyer l'esthétique de son Aviator sorti en 2005 dans un étalonnage halluciné en hommage au tout premier film en couleur, qui comme vous le savez peut-être, n'était pas réellement en couleur puisqu'à l'époque, il s'agissait plutôt de peindre à la main, image par image, la pellicule au pinceau. Pinceau qui fut vite remplacé par un procédé de pochoir, puis par d'autres procédés, comme celui du Kinemacolor inventé en 1906. Une caméra dont l'obturateur contenait un filtre rouge-orangé et bleu-vert. Sauf que si ça passe dans un film pulpé décomplexé comme Scott Pilgrim qui accumule les références avec goût. Dans un film historique de 3 heures ultra premier degré, ça donne juste envie de se crever les yeux. Donc voilà, les hommages c'est super sympa, mais quitte à reconstituer les années 30, faites en sorte que vos couleurs y en aient au moins... Et ça, c'est la tronche que fait un daltonien devant cette vidéo. Alors que bon, ça peut être aussi fait avec goût, hein. Prenez, je sais pas, Fury Road ou The Element of Crime de Lars von Trier. Ce sont deux films qui sont très beaux et épurés, et l'omniprésence du orange, bah elle a du sens, elle va très bien avec les environnements. Elle les rend étouffants et irréels, qu'on soit en ville ou dans le désert. Bon, même si la nuit américaine de Fury Road, elle est quand même bien dégueu. Enfin, je sais pas, il y a des gens pour croire qu'on est la nuit, là. Enfin, c'est un jour bleu. Il a osé dire du mal de Mad Max. Eh, les gars, François, il a dit que Mad Max... Prenez Swatchot, la scène de la chambre à coucher, qui est froide et impersonnelle. Tandis qu'au fond, là, on a cette lueur orange qui vient du couloir, du dehors, comme le refoulé qui perturbe le personnage de Tom Cruise. Et à la tête du lit, bah, on a du rouge. La passion qui brûle en Nicole Kidman et qui se transforme en frustration. Les couleurs ont un sens super simple mais super efficace. Elles te disent tout. Mais bon, en 20 ans, le teal and orange est devenu la méthode un peu facile et paresseuse pour rendre ton image attrayante sans trop te fouler. Michael Bay, forcément, bah, c'en est un bon exemple. Même si lui, il assume tellement le truc et le pousse tellement loin qu'il bon, il est un peu hors concours. Prenez l'affiche de Blade Runner.
moche à en crever. Tu veux du bleu? Tu veux de l'orange? Bah boum, voilà deux pots de peinture dans ta gueule. On va dire que c'est pour séparer le passé et le présent. Mon cul, ouais. Dans la tête du département com, c'était plutôt... Bon, on va capter l'attention des passants d'une seconde avec ça, et pour ces gros casse-couilles de cinéphiles, on va faire circuler 2-3 affiches plus confidentielles et un peu moins foutage de gueule, ça le calmera. Ouais, ou alors on laisse les casse-couilles de cinéphiles se démerder entre eux. Un jour, je crois que je vais vraiment faire une vidéo sur les affiches de fans, parce qu'il n'y a plus que les fans qui sont capables de faire des affiches aujourd'hui. Et la délimitation cradingue entre le bleu et le rouge en toile de fond, on en parle. Mais c'est illégal un truc pareil. Sérieux, faut avoir 3 heures de Photoshop à son actif pour faire ça. On dirait un packaging de boissons énergisantes. Même sur les serviettes de bain, y a pas des trucs aussi moches. Alors que sur les deux affiches qui présentent Ford et Gosling séparément, bah on est toujours sur une logique de fil en orange. Mais là, là, c'est beau, c'est bien composé, c'est homogène. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule qui dit. Évidemment que la couleur, ni même la profusion de couleurs, n'est pas un problème en soi. Tout comme la couleur n'est pas une fin en soi. Mais pour que ça ait de la gueule, encore faut-il s'en donner les moyens. Notre œil est capricieux. Très capricieux. Ainsi, une couleur n'aura jamais le même impact selon le contexte. C'est la raison pour laquelle une couleur ne devrait jamais être utilisée dans le seul but de faire joli. Même si oui, en effet, c'est joli. Mais le fait que ce soit joli devrait être une conséquence, et non un but. Après bon, le terme joli, hein, vous avez compris, c'est... Subjectif. Ça y est, j'en ai déjà marre de cette blague. Oui, car les goûts et les couleurs, c'est une chose, le sens de la composition, c'en est une autre. Et ça, ça met souvent tout le monde d'accord. Vous savez, le plus difficile en peinture, ce n'est pas de savoir quelle partie de la toile remplir en premier. Le plus difficile, c'est de savoir quand s'arrêter. Alors, tout ça pour dire quoi en résumé? Que la couleur... C'est pas un jouet. Les Demoiselles de Rochefort. My Blueberry Night. Only God Forgives. Into the Spider-Verse. Hulk. Moonlight. Enter the Void. Pour rien au monde, je n'aimerais voir ces films moins colorés. Sauf qu'il y a une différence entre le fait de penser l'esthétique de son film en fonction de sa lumière, de sa photographie et de son propos, comme une harmonie parfaite entre le fond et la forme, et juste bidouiller la colorimétrie en post-prod comme on poserait un filtre Instagram. Et ça, couplé à une image bien trop nette due au manque de grain, de texture, rendant cet aspect ouaté, étrangement neutre et aseptisé à l'image, coucou Netflix, on pourra dire que l'étalonnage numérique en aura fait des dégâts. Par exemple, que faites-vous si vous devez retracer le parcours d'un célèbre astrophysicien dans l'Angleterre des années 60. Bah, vous foutez la moitié du film en jaune ou en bleu pardi. Ou alors vous pouvez faire comme dans Harry Potter 6 en mettant du vert de partout et en filtrant la lumière comme dans un film porno pour subtilement nous indiquer que nous sommes dans un flashback. Merci beaucoup, j'ai pas du tout envie de vomir. À croire que Harry Potter n'a fait que suivre mollement l'esthétique imposée par le cahier des charges du film fantastico-gothique des années 2010, qui consistait principalement à bourriner l'étalonnage parce que... La magie ! Où l'on ressent la dichotomie crasse entre deux couleurs vives dans un décor qui en plus de ça ne s'y prête pas du tout. Regardez-moi ça. On devine le spot vert juste derrière l'actrice. Ça ressemble à un setup de youtubeur. Tenez, regardez ça. Franchement, ça fait pas du bien de voir la pelouse verte et le ciel bleu d'un coup là. Je demande pas grand chose, juste de réinjecter un peu de naturel dans les lumières, et donc dans les couleurs. Pour que la magie puisse me cueillir dans ce cadre qui est déjà magnifique, et qui n'a pas besoin de plus d'artifices pour installer son atmosphère. Certainement pas avec ce ripollinage laiteux qui rend l'image incroyablement fake, et ces teintes de couleurs monochromes. En fait c'est simple, je n'ai pas envie de voir le monde à travers une gélatine anglaise. Donc vas-y film, réponds-moi. Si tu fais ça en post-prod, il sert à quoi le chef op là? Vous pourrez dire que c'est... Un subjectif? Oh ta gueule. Mais moi, un film aussi laid que Le Prince de Sang-Mêlé, je m'en remets pas. Lorsqu'on dispose de tels costumes et de tels décors, à ce degré-là, moi j'appelle ça du sabotage. Car outre juste vouloir donner du style, j'ai toujours tendance à voir l'étalonnage comme une sorte de cache-misère, surtout lorsqu'il en fait trop. Comme si le spectateur était trop con pour ne pas savoir quoi ressentir à quel moment. Désaturer les couleurs lors des moments tristes, des couleurs chaudes lors des moments de joie, du rouge pour exprimer la haine et l'oppression, les teintes verdâtres pour accentuer la peur, etc. Ou foutre l'image toute bleue lorsqu'on montre un flashback. J'ai jamais compris ce truc. À moins qu'on s'adonne au pastiche ou à la parodie, c'est le genre de choses qui devrait être interdite au cinéma depuis longtemps. Déjà parce qu'on a vu ça un bon milliard de fois, mais surtout parce que ça va, on n'est pas des enfants.
Je veux dire, ça fait vraiment 20 ans qu'on se repose essentiellement là-dessus pour installer une atmosphère. Que ce soit dans Darkwater qui force sur les teintes froides pour nous faire ressentir l'angoisse de ses fermiers, ou ce filtre jaune pisse dans Enemy, censé nous plonger dans la psyché malade de son protagoniste, c'était vraiment indispensable. Et ça me fait mal au cœur de dire ça à propos de films que j'adore, comme The Most Violent Years, ou même tous les derniers films de Fincher. Mais même si je trouve pas l'étalonnage atroce à regarder, je me dis que c'est le genre de chose qui va très mal vieillir avec le temps. Levez le pied, les gars. Après, il y a des codes couleurs qui nous parlent profondément. Et ça, tu peux pas le changer juste parce que ça te paraît trop évident. T'auras beau faire ce que tu veux, le rouge intense et le bleu pâle, ça dira jamais la même chose. Du coup, ouais, il y a des conventions auxquelles on peut pas échapper. Ah mais je suis bien d'accord. À condition que, comme tu l'as dit, elle raconte quelque chose. De ce bleu pâle, inquiétant et irréel qui inonde la plaine sous le soleil de Satan de Maurice Pialat, jusqu'au rouge anxiogène du bar de Mean Street, ces couleurs vivent. Elles interviennent au bon moment, avec parcimonie, justifiées dans la diégèse, occupent l'espace et font vivre le film comme un personnage à part entière. Tout comme les teintes vertes dans Matrix ne sont pas juste là pour faire « Wesh là, SF frère, t'as vu ?» Tiens, et puisqu'on parle des sœurs Wachowski, est-ce que vous avez vu cette petite merveille qu'est Speed Racer. Voilà un film qui en veut à votre rétine. Les fonds verts sont si mal incrustés, les couleurs si agressives et la mise en scène si décomplexée qu'on ne peut pas prendre le film au sérieux une minute. Mais son parti pris est tellement poussé à l'extrême avec brio que moi j'en redemande. Le film me pousse à ranger mes critères esthétiques de côté pour me laisser porter par lui. Il est bourré d'inventions visuelles, comme lors du dernier acte où la voiture de Speed sur le point de gagner la course semble distordre la route comme de l'eau qui se renverse sur une aquarelle. Ce film est génial, putain! Et vous noterez que je défends ce film avec ferveur alors qu'il réunit absolument tout ce que je déteste et ce que je conspue habituellement dans le cinéma contemporain. Et je ne plaisante pas non plus lorsque je vous dis que Speed Racer est pour moi un supplice pour les yeux. Rien que 3 heures de montage en bossant sur ce film, je vous jure que ça fait physiquement mal. Sauf que c'est pas parce qu'un film est désagréable à regarder qu'il est raté. En clair, on doit être séduit par une idée avant de se laisser porter par les images. Proposer une vraie démarche, s'en tenir et aller jusqu'au bout quitte à complètement se planter. Aucune technique n'est interdite. Utilisez des fonds verts, tournez en numérique, bidouillez la colorimétrie, faites ce que vous voulez, tant que vous avez des idées. Amusez-vous et amusez-nous, surprenez-nous, et les hipsters comme moi n'auront plus aucun argument pour vous dire que c'était mieux avant. Et le tout en accord avec un bon sens de la composition. Ça fait beaucoup, je sais. Bon, en gros, pas comme lorsque je regarde un film de Danny Boyle ou Tony Scott, qui à force de vouloir se trouver une identité visuelle avec des effets totalement gratuits, te donne juste l'impression d'avoir bouffé un champignon. Moi, quand j'ai vu Domino, j'ai juste cru que la prise Péritel de ma télé était cassée. Cela dit, Tony Scott et Danny Boyle, pour moi, font partie de ces gens qui savent éclairer une scène de nuit sans tomber dans la bouillasse sombre que 80% des films ont l'air de nous servir. Parce que bah, les caméras numériques ont des capteurs surpuissants, qu'on va pas s'emmerder 150 ans au tournage avec l'éclairage, et qu'on verra ça en post-prod, merci Jean-Michel. Sauf que ça reste une bouillasse sombre. Perso, presque toutes les scènes de nuit des 10 dernières années, j'y vois rien. Alors, quand t'es dans une salle de cinéma dans l'obscurité, ça passe. Mais c'est pas beau, c'est pas engageant. On est dans un univers de cinéma, donc à moins que l'idée ce soit de faire une œuvre naturaliste, ou bien de faire Seven et de tout sous-exposer pour obtenir ces clairs obscurs, démoniaques et magnifiques, bah tu peux te permettre plein de choses. Tenez, prenez ce plan sur le Nazgûl dans la communauté de l'anneau. D'où vient la lumière derrière? Qu'est-ce qui, dans le contexte de l'univers du Seigneur des Anneaux, la justifie? Qu'est-ce qui la produit? Eh ben, absolument rien. Elle n'a aucun sens, cette lumière. On dirait que Nazgûl poirote à côté d'une nationale. Mais est-ce que ça te fait sortir de la scène, pour autant? Bah, non. Enfin, le plan est ultra beau et immersif. Sa source de lumière, c'est pas du tout son propos. Des nuits éclairées comme ça, j'en reprends quand vous voulez. Et me dites pas que c'est parce qu'on est dans de la fantasy, que ta gueule c'est magique et qu'on fait absolument ce qu'on veut, le réalisme, c'est pas le but. Non, toute la démarche de Peter Jackson sur la communauté de l'anneau, c'était de rendre cet univers réaliste et tangible. On peut presque sentir l'odeur des feuilles mortes. Toujours cette question de savoir si on va au cinéma pour voir de belles images ou simplement des images réalistes, quel que soit le genre. Après, faut aussi savoir que la multiplication des conditions de visionnage, aujourd'hui, ça rend l'étalonnage et l'éclairage vraiment tendax. Parce qu'aujourd'hui, t'éclaires et t'étalonnes pour quels écrans, en fait? Les gens vont voir les films sur téléphone portable, sur écran d'ordinateur, à la télé, dans des salles de cinéma,
avec du bruit autour, sans bruit autour, dans l'obscurité, dans la lumière, c'est chaud. Parce que forcément, le support, ça a une énorme influence sur la démarche visuelle. Aujourd'hui, les versions de films évoluent beaucoup plus, elles sont plus adaptables. C'est ultra schizo, en fait. Et du coup, l'intégrité de l'œuvre, elle en prend un sacré coup. C'est marrant parce qu'avec toute cette vieillerie artificielle, toute cette esthétique qu'a bossé, bah on te vend une certaine idée du temps. On fabrique une nostalgie qui, paradoxalement, n'a pas de corps, pas de vécu. Elle convoque juste une mythologie que souvent on n'a pas expérimenté soi-même. C'est peut-être aussi ça que le numérique a apporté dans les années 2000. C'est un cinéma qui s'est affranchi du temps, qui n'a plus vraiment d'âge. Et donc, son identité est plus difficile à construire. Pendant longtemps, d'un simple coup d'œil, et même pas un œil particulièrement expert, on pouvait identifier à quelle décennie appartenait un film. Maintenant, si je vous montre une comédie romantique de 2009 et une comédie romantique de 2019, est-ce que vous allez vraiment réussir à me dire laquelle est laquelle? Pas sûr. Enfin, vraiment pas sûr. Et là, le truc, c'est qu'on parle surtout de notre regard de spectateur, et de l'image elle-même, de sa texture. Mais le débat entre argentique et numérique, il concerne pas uniquement la manière de filmer. Il concerne aussi ce qui sera filmé. C'est juste deux méthodes différentes. Mais dans ce qu'une image de cinéma va dégager, bah, ça a beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit. Une image de cinéma, ça ressemble presque à une injonction à force. Et si on parlait un peu du Nosferatu de Werner Herzog en 79? Putain, oui. Ou comment les limitations techniques d'un film peuvent apparaître dans le contexte actuel comme un rendu d'une poésie infinie. Car c'est à la 40e minute de métrage qu'apparaît mon plan préféré de tout le film, qui est, je le précise au passage, une claque esthétique. Y a qu'à voir le teint blafard d'Isabelle Adjani éclairé par cette pleine lune spectrale et enivrante, même si ce n'est pas ce plan qui va nous intéresser aujourd'hui. Regardez ça. N'importe quel chef-op vous dirait que ce plan est raté. Rien ne va. Le point n'est pas fait, l'image est complètement floue, on distingue à peine les acteurs. L'éclairage est tellement minimaliste qu'on se demande si on a affaire à un parti pris ou à un réel problème technique. Mais bordel, c'est ce plan qui a gravé ce film dans mon esprit à tout jamais. Cette sensation de voir une peinture prendre vie, ou une image mentale résiduelle, comme un souvenir, de me sentir enivré par l'obscurité de cette pièce. Je me sens perdu dans le cadre. Rarement un décor de cinéma ne m'a paru aussi étrangement réaliste. Comme si Herzog avait tout bonnement réussi à filmer un rêve avec rien. Et d'ailleurs, en parlant de vampire, c'est pareil pour Vampire de Karl Dreyer. Dans les films des années 20-30, il a un look vraiment particulier, un noir et blanc, laiteux, qui bave. Bah à la base, c'est à cause d'une erreur de tirage dans la pellicule qui a donné ce rendu très particulier. Et Karl Dreyer a tellement aimé ça qu'il a continué avec cette esthétique parfaitement imparfaite. C'est un peu comme si vouloir avoir le contrôle sur tout, c'était refuser de donner une âme à son film. Devant un plan comme celui-là, est-ce qu'on doit simplement s'arrêter à l'intention du réalisateur, alors que notre sensibilité va parfois bien au-delà? Est-ce que l'on est réellement capable, comme moi, d'être bouleversé par un plan que le réalisateur lui-même aurait trouvé ni fait ni à faire? Est-ce que ce film, qui ne repose pratiquement que sur son atmosphère, aurait eu la même aura s'il avait été filmé avec les caméras d'aujourd'hui, sans cet aspect brut de la lumière, sans ce grain? Ou s'il avait été réétalonné par Jean-Michel, qui aurait foutu un filtre vert pour bien accentuer le côté fantastique des fois qu'on n'aurait pas compris? Il y a vraiment un truc avec ces films qui captent des accidents heureux, ou un feeling bizarre et fascinant se crée. Où des choses inattendues se transforment en forces qui sont vivantes, palpables, et le film devient un moment très spécial dans le temps. Il assume le moment où il est né. C'est sorti quand, cette merde? On parle souvent de grain, de piqué de l'image, sans trop savoir ce qu'on veut dire par là.
l'image argentique serait plus chaleureuse, plus somptueuse. Sauf que beaucoup de directeurs photo te diront qu'avec un étalonnage correct, test à l'appui, bah la différence entre l'image numérique et l'image argentique, elle est quasiment invisible. Donc en fait, on parle de quoi ? Ce qui est marrant, c'est que le grain argentique est super attractif pour beaucoup de gens, alors que le brut numérique, eh bah, soudainement, il y a beaucoup moins de gens qui se bousculent. Alors que fondamentalement, on est sur une imperfection technique dans les deux cas. Sauf que le brut numérique, bah, il a pas d'âge, pas de mythologie, donc il raconte beaucoup moins. Tout de suite, c'est pas la même chose. Alors que c'est quasiment la même chose. Oui, enfin, ça se bouscule pas, ça dépend. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, Miami Vice de Michael Mann, sorti en 2006, reste encore aujourd'hui un des plus beaux films que j'ai vus dans ma vie. Et je suis très sérieux. N'essayez même pas de vous insurger dans les commentaires, vous perdriez votre temps. On se devait de passer au numérique rien que pour que ce film existe. Et ce grain, certains s'en sont fait une spécialité. Qu'il soit factice ou naturel, plus qu'une esthétique, le grain, ça peut devenir un outil. Comme le réalisateur Panos Cosmatos. Au passage, d'ailleurs, c'est le fils de George Cosmatos, Monsieur Rambo 2. Panos, donc, qui a réalisé Beyond the Black Rainbow, Mandy, deux films qui me partagent entre l'ennui et la fascination. This world is in chaos. Qu'est-ce que t'as mis dans mon verre, putain ? Il y a une hypnose dans l'image, des sons qui te massent le cerveau. Mais surtout, le grain est omniprésent et insaisissable chez Cosmatos. Il te donne la sensation que les couleurs dégueulent les unes sur les autres, comme dans une peinture abstraite. Le grain est là pour une raison, il déstabilise. Parfois, il va même jusqu'à quasiment effacer la frontière entre les personnages et les objets. Bref, il fait entrer ton regard dans un autre monde. Et pour des récits aussi perchés et psychédéliques, c'est parfait. Avant d'être un fétiche, le grain c'est un outil, même si beaucoup de gens ont l'air de l'oublier. Un fétiche, c'est exactement le mot que je cherchais. Je suis bien obligé de le reconnaître, je suis accro. Voilà pourquoi il y aura toujours une distance entre moi et le numérique. Ou du moins, ce numérique aux ambitions d'image parfaitement nettes. J'aime voir les couleurs danser au rythme du brouhaha chaotique du grain de l'image. J'ai besoin de voir ces couleurs sublimées par une matière, par de la texture. Car c'est toujours bien le mot texture que l'on utilise pour nommer ce feeling si particulier. Une texture qui ne serait pas seulement photographique, mais aussi et surtout picturale. Comme lorsque l'on est capable de confondre des toiles avec des plans de cinéma. Le chef décorateur de renom Jean-Vincent Puzo disait de Darius Conji, le chef-op capable de passer de la Cité des Enfants Perdus de Genet au Amour de Haneke, en passant par le Seven de David Fincher. Darius Conji travaille moins comme un chef opérateur que comme un sculpteur, taillant un bloc de marbre noir, cherchant les meilleurs endroits pour faire entrer la lumière. Voyez que lorsqu'on parle d'un génie de la photographie au cinéma, on parle moins de technologie filmique que de matériaux d'art plastique. D'ailleurs, si vous avez déjà fait de la peinture dans votre vie, vous savez qu'il n'y a pas de zone vide en peinture. Il ne suffit pas de laisser la toile immaculée pour simuler la lumière, comme il ne suffit pas de passer une seule couche de noir pour peindre l'obscurité. Quelle que soit la lumière que vous voulez rendre, vous devez les poncer, ces zones. Les travailler pour leur donner du corps. C'est d'ailleurs ainsi que Darius Conji parle des zones d'ombre dans le cadre. L'obscurité, ce n'est pas l'absence de lumière. Et quand on voit Seven, on comprend tout de suite où il veut en venir. Mais sinon, parlons d'un plan autrement plus lumineux. Une occasion toute trouvée pour vous parler d'un de mes réalisateurs fétiches, Peter Greenaway. Un plasticien et artiste peintre reconverti dans la réalisation de films. Et... comment dire... ça se voit. Ça se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Inutile de vous faire un dessin. En voyant ces images, vous aurez compris que ce cinéaste britannique a pour principale ambition de confondre ses plans de cinéma avec d'authentiques peintures du XVIe siècle. C'est d'ailleurs le thème de son film le plus connu, sorti en 1982. Meurtre dans un jardin anglais.
Un film dont l'écriture fut motivée par Peter Greenaway lui-même, suite à l'une de ses expériences personnelles lors de ses études aux Beaux-Arts, et plus particulièrement lors d'un cours de croquis d'extérieur, où la principale contrainte formelle est de dessiner ce que l'on voit, et non pas ce que l'on sait. Alors, si vous ne comprenez pas ce que cela implique, je vais être plus précis, donc accrochez-vous. En gros, vous devez choisir un axe pour dessiner le panorama de votre choix. À ceci près que la lumière du soleil, elle, est évidemment inconstante, puisqu'elle se déplace au fil des heures. Sauf que, aux Beaux-Arts, si les ombres changent de place sur le modèle, eh bien vous devez poser les crayons jusqu'au lendemain. En espérant que la météo soit elle aussi semblable à la veille, hein, sinon ce serait trop facile. Une contrainte qui donnerait des sueurs froides à absolument tous les chefs opérateurs du monde. Quand j'ai appris ça, je me suis dit heureusement qu'ils ont refusé mon dossier en 2009. C'est donc autour de ce principe que s'articule cette intrigue mystérieuse à la Agatha Christie, à base de mensonges, de trahisons, d'adultères, et même de statues qui se mettent à bouger, mais je ne vous en dis pas plus. Le synopsis. L'épouse d'un riche propriétaire anglais du nom de Monsieur Herbert demande à Monsieur Neville, un peintre paysagiste de renom, d'effectuer 12 dessins du domaine de son mari, suite à quoi Monsieur Herbert part en voyage à l'étranger. C'est alors que Monsieur Neville commence les premiers croquis de l'extérieur de la maison, tout en respectant donc cette fameuse contrainte. Sauf qu'au fil des jours, Neville s'aperçoit que les vêtements que portait Monsieur Herbert au moment de son départ apparaissent comme sortis de nulle part, obstruant les panoramas qu'il avait commencé à dessiner la veille. Cette contrainte, lui interdisant formellement d'enlever ses vêtements de son champ de vision ou de faire comme s'il n'était pas là, Neville va doucement se rendre compte que Monsieur Herbert a probablement été assassiné et que ses planches de dessin constituent davantage des pièces à conviction que de jolis paysages. Alors, pourquoi je vous résume en détail le scénario alors que cette chronique ne s'intéresse qu'à l'aspect visuel des films? Eh bien déjà pour vous inciter à voir ce chef-d'œuvre qui a toute mon estime, mais aussi pour vous montrer que la photographie de ce film est en totale adéquation avec son récit. Avec son idée. Un peu à la manière du fameux plan raté du Nosferatu de Herzog, on remarque que l'image de meurtre dans un jardin anglais souffre pas mal de ce qu'on pourrait facilement qualifier d'imperfection de l'objectif, dû à un matériel pour le moins daté. Aucune image n'est réellement nette. Il est même difficile de distinguer le visage des protagonistes passé une certaine distance. Et surtout, le grain est omniprésent. Il bouche littéralement toutes les zones du cadre, lumineuses et obscures. D'où cette sensation de voir une peinture en mouvement. Lorsqu'on sait que tout le principe du film consiste justement à brouiller les pistes entre les plans et les planches, je trouve ce film absolument parfait tel qu'il est. Et moi, quand je vois Monsieur Neville s'interdire avec autant de zèle de changer ne serait-ce qu'une parcelle d'ombre de son dessin, je repense à Darius Conji, qui s'interdit formellement d'attendre quoi que ce soit de la post-production. Car pour lui, c'est sur le plateau que tout se passe. C'est sur le plateau, avec les acteurs, avec la lumière, avec toute l'équipe technique, que l'on définit l'image que l'on aura dans le film, et pas après. Telle est sa contrainte à lui. Présenté tel un manifeste qu'il définit lui-même comme sa politique de création, avec laquelle il ne s'autorise aucun égarement. Et ce, en argentique comme en numérique. Si Darius Conji avoue volontiers avoir été réticent devant cet outil, il affirma par la suite que le tournage du Amour de Michael Haneke en 2012, tourné entièrement en numérique, lui apporta autant, si ce n'est plus, d'options créatives, tout en augmentant drastiquement le confort de tournage. Tout ça est franchement palpitant. Comme tu dis. Donc pour la dernière fois, argentique ou numérique, peu importe. Tant qu'on aura des artistes comme Darius Conji pour penser et créer des images de cinéma. Tant qu'on aura des artistes qui se préoccupent moins de leur confort de travail que de trouver de véritables idées. Io parlo della mia esperienza personale. La qual è la cosa secondo me vera che c'è di grande differenza tra la pellicola e il digitale? È l'idea. Et mon idée ici, ça n'a jamais été de décréter ce qu'est une image de cinéma et ce qui ne l'est pas. Vous faites ce que vous voulez. Et au passage, on évite les procès d'intention dans les commentaires, hein ? Je commence à vous connaître. J'espère juste que la prochaine fois, vous aurez simplement plus de mots pour nommer vos préférences. Car comme l'a dit, je ne sais plus quel vidéaste... Ces références, elles sont complètement arbitraires. Ce qui fait cinéma ou non, aujourd'hui plus que jamais, ça n'a rien à voir avec une simple question d'esthétique. Ouais. J'aurais pas dit ça comme ça. Et heureusement. D'ailleurs, à vous de me dire en commentaire quels ont été vos plus grands chocs esthétiques au cinéma. Pour ma part, There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, sorti en 2007, c'est sans aucun doute la plus belle photographie que j'ai vue dans un film.
Quand j'étais étudiant en graphisme, j'avais toujours tendance à courir derrière l'hyper-réalisme, encombrant mes planches d'une myriade de détails, d'ombres, d'effets de lumière, pour donner cette impression de photoréalisme. Et mes profs étaient toujours sur mon dos pour me dire que je me fatiguais pour rien, que le but n'a jamais été de faire de jolis dessins, que ce qu'ils voulaient, c'était une vraie proposition, un parti pris tranché, qui va jusqu'au bout, quitte à faire n'importe quoi et de se planter. Car si vous vous plantez, c'est que vous avez pris des risques. Tel devrait être notre accord tacite. Aucune technique n'est interdite, mais juste avant d'acheter du matériel, ayez des idées. Voilà, c'est tout. Mais bon, vous savez, moi je vous dis tout ça, hein, mais après c'est... Subjectif ? Spécialisé dans le cinéma de genre. Horreur, fantastique, thriller et science-fiction sont de la partie. Créée par des passionnés, cette plateforme française 100% légale vous propose des centaines de films, longs et courts-métrages, allant des grands classiques du genre aux pépites oubliées ou méconnues, ainsi que des exclusivités tous les mois. Disponible sans engagement sur de nombreux supports, Orange, Amazon Channels, applications mobiles et tablettes, au prix de 4,99€ par mois. De plus, avec le code MARTY, vous avez le droit à un mois gratuit au lieu des 7 jours habituels. Alors, ne perdez pas plus de temps, pauvre fou, et rendez-vous sur Shadows. Ah, subjectif. C'est bon. Subjectif. Ta gueule !